Coucou à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour réaliser ensemble des petites boules de perles. Voilà, donc vous pouvez vous en servir comme bijoux, les mettre autour du cou, vous en servir pour faire des bracelets, etc., etc. J'en passe. Donc, je vais vous montrer tout ça en images. Donc, c'est simple. Il suffit de vous munir de perles. Donc, moi, c'est des perles de chez Action. C'est toujours Action. Action, action, action. Vous allez avoir besoin de 30 perles. Donc moi, je les ai déjà séparées. J'ai pris les roses pour que vous voyez bien quand je vais passer mon fil. Il vous faut votre petit ciseau et du fil de nylon. Donc moi, j'ai pris du fil de pêche, tout simple. Voilà. Donc il vous faut à peu près 80 cm, donc 40 de chaque. Voilà, donc un fil. On met bien au milieu. Clac. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On me fait le zoom. Donc, voilà. Donc, toujours tenir le fil droit dans la main droite, le fil gauche dans la main gauche. Donc, on y va, on commence. Donc, tout d'abord, vous enfilez 5 perles sur votre fil. Une, deux, quatre. Et je vais venir garder la cinquième pour la croiser avec mon fil de gauche. Donc, hop, et croiser. Et vous tirez sur les deux fils. Voilà, ça nous forme une petite pétale. Comme j'ai déjà formé le cœur de ma petite fleur, on appelle ça. Voilà. Donc comme j'ai une perle ici sur le fil, déjà, je vais en rajouter 4 ici. Donc sur le fil droit. Une. Et la quatrième, je garde dans la main. Je vais venir la croiser. Et voilà. Donc, j'ai ceci. Vous voyez, le fil est ici et ici, ça a tourné. Donc, pour faire ma deuxième pétale, je vais venir prendre mon fil de gauche et la passer. Ici, dans la perle de gauche. Voilà, je récupère. Donc ça nous fait deux perles. Je vais donc en rajouter trois sur le fil de droite. On rajoute toujours les perles sur le fil de droite. Donc il me faut trois perles. Oups. Une perle. Deux perles et la troisième qu'on va venir croiser. Hop. Et je croise. Voilà. Donc j'ai formé la deuxième pétale. Je vais venir faire la troisième. Donc c'est exactement pareil. Je passe dans la perle de gauche, la première. Hop, je récupère mon fil et je vais venir rajouter trois perles ici. Je viens croiser. Et voilà. Donc une pétale, deux pétales, trois pétales.
Je vais faire la quatrième. Donc c'est exactement pareil dans celle de gauche. Je récupère mon fil. Donc il faut faire attention de ne pas s'en mêler. Hein. Voilà. J'ai deux perles. Je vais venir ajouter trois perles. Une. Et la troisième que je viens croiser. Voilà. Donc j'ai mon centre ici. J'ai une, deux, trois, quatre. Je vais venir fermer ici. Donc en fait, je vais venir passer mon fil, celui-là, je vais venir le passer dans cette perle-ci et dans cette perle-là. Comme ça, on aura trois perles sur le fil. Alors, fil de gauche, je passe ici et dans la deuxième. Hop, voilà. Ça nous fait trois perles. 1, 2, 3. Donc je vais donc en rajouter 2 sur le fil de droite. Hop. Et celle-ci que je vais venir croiser. Donc vous voyez, je sais pas si, là, ça a formé la moitié de la boule. Donc après, je vais retourner mon travail pour vous montrer. Là ici, ça fait un Y. Enfin, un Y. Pas vraiment un Y, mais ça fait un V. Donc j'ai ma perle ici, j'ai mon V ici. Donc je vais venir prendre cette fois-ci le fil de droite et le passer. Alors attendez. Lock. Mon fil de droite et le passer dans cette perle-ci en fait. Là, comme ça. Je m'embrouille les pinceaux si je ne vous montre pas. Donc ici, à le V, je vais venir passer mon fil de droite dans cette perle-là. Voilà. Là, mon fil est là. Ici. Donc, le fil de droite. Dans la perle. Voilà. Donc, j'ai deux perles maintenant sur mon fil. Je vais donc en rajouter. Ça vient bon. Il n'y a plus beaucoup de perles. Donc trois perles. Une. Deux. Et la troisième que je viens croiser avec mon fil de gauche. Clac. Clac, clac. Voilà. Donc on forme la pétale du dessus. Vous voyez? Je vais venir passer cette fois-ci mon fil de gauche, mais dans deux perles maintenant. Donc c'est-à-dire dans celle-ci et dans celle-ci. Toujours pour avoir trois fils sur mon fil de départ. Donc hop, j'ai passé. Fil. Voilà. Donc j'ai trois perles sur mon fil. 1, 2, 3. Je vais donc rajouter 2. Donc, une et deux. Et je viens croiser. Hop. Voilà. Je referme.
tout doucement le tour. Donc je vais repiquer les deux perles sur le côté. Clac. Voilà. J'ai trois perles. Je vais rajouter deux perles. Donc la deuxième, je la croise. Donc vous voyez, ma boule commence à se fermer. Ça fait une belle couleur framboise. Je ne sais pas si vous avez le même rendu. Ça brille. Donc je vais venir encore une fois, hop, dans les deux de gauche. Donc, on va y arriver. Une et deux, voilà. Donc j'en ai trois, j'en repasse, donc il m'en reste plus que trois, ça va, c'est bientôt fini. Hop. Voilà, je croise. Donc voilà, vous vous retrouvez ici avec 8 perles sur le dessus. Donc pour fermer, je vais juste rajouter une perle. Pour fermer, je vais rajouter une perle. Comme ça va me faire 5. Et ça va me faire 5 ici. Donc regardez bien. Je vais venir rajouter ma dernière perle. Donc elle va se placer toute seule. Voilà. Voyez, donc j'ai juste à passer mon fil de droite dans toutes les perles ici. Voilà, et je vais alors on y va. Je passe. Bon, c'est plus compliqué parce que alors une, deux, hop. Si je vous montre pas bien, ça va pas aller. Hop. Je regarde en même temps au-dessus. Mais... Voilà. Donc, vous voyez. Faut pas hésiter à serrer. Hein. Vous voyez, tout mon cercle s'est formé. Toute ma boule s'est formée. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire mon nœud. Je fais un double nœud pour bien serrer. Voilà. Et ensuite, pour cacher le fil, je vais repasser dans certaines perles. Comme ça, ça va cacher le nœud. Alors, la vidéo risque d'être un petit peu trouble, mais bon, je fais comme je peux, que dehors c'est tempête. Hop. Et je rappelle aussi à toutes celles qui veulent participer au concours d'envoyer un mail. Tout le monde peut y participer. Voilà. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour juste vous montrer comment, je vous dis toujours juste, pour vous montrer comment réaliser cette boule de perles. Voilà. Je pense que ça va plaire à Nathalie Praline. Je sais qu'elle aime bien tous ces petits bijoux fantasy. Donc voilà, je pense que ça peut lui donner des petites idées, ou peut-être qu'elle sait déjà les faire, je ne sais pas. Donc à elle de visionner tout ça et de me dire ce qu'elle en pense. Voilà, je lui fais des gros bisous d'ailleurs. Et puis, je vous dis bonne réalisation. J'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!